Salut les amis, on se retrouve pour faire un code portail et c'est une vidéo spéciale. Je crois que c'est ma première vidéo astuce sur la chaîne. Bon, peut-être j'ai dû peut-être en faire, mais il y a un bon moment, il y a très très longtemps. Je pense que ça date de plus d'un an. Et du coup, là, je vais faire une vidéo astuce que j'ai pu trouver et vous allez voir, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo-là. Déjà, dans un premier temps, on va faire un code portail pour un vaisseau pour pouvoir l'acheter et vous allez voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Donc déjà on va faire le code de portail pourvu qu'il marche, hein. On va faire le code portail pour un vaisseau, voilà, tout simplement un vaisseau classe exotique, si bien sûr on peut le trouver dans ce système là. Donc du coup on fait celui-là, on fait ça, on fait dinosaure, ça, on fait carré ici, ouais c'est ça, ok, on fait ici, ça, on fait, il y a deux comme ça, il y a fait ça ici, tac, deux pyramides, c'est celui-là, hein. Ouais c'est celui-là, et la baleine, voilà, la baleine elle est où? Baleine, baleine, elle est là, voilà, allez c'est parti. Alors je passe le portail, j'arrive dans le système et je vous reprends. À de suite. Et re les amis, donc du coup on est arrivé sur la planète du coup à travers le portail. Et vous pouvez voir que quand déjà rien que visuellement, ça me rappelle déjà des souvenirs par rapport à 2016. Encore une fois, ils ont fait un système de design des planètes. Je sais pas, ce look me fait penser à un look de 2016. Et je suis tellement content qu'ils ont fait ce système-là, Hello Games. De mettre du vieux avec du renouveau et tout ça, je trouve ça vraiment sympathique. En tout cas, là. Ah oh, il y a des jolies bestioles là. On peut scanner ça, ouais. On peut scanner. Hop, ça nous fait un peu d'argent. Vous allez voir. Donc du coup, je vais vous expliquer. On va arriver, on va aller de suite. De suite les amis, donc du coup on va aller de suite à la station spatiale parce que c'est la station spatiale que on doit aller. Et si on trouve pas le vaisseau, si on trouve pas le vaisseau, ben on va aller dans une comptoir commercial. Comptoir commercial, comme d'habitude, c'est comme si vous achetez un vaisseau, sauf que dans cette vidéo là on va l'acheter pour le démonter. Voilà, on va l'acheter pour le démonter, mais tout dépend de l'achat qu'on va faire. Grâce au multi-outil, ce que vous allez dépenser, vous allez pouvoir le regagner. Par contre, voilà, je vais vous expliquer, vous allez voir. Il va falloir avoir impérativement, alors ça c'est vraiment le truc impératif, avoir tout le système. Donc, bon, moi, là vous voyez, j'ai un B. Bon, là il m'aurait fallu peut-être un S, mais bon, là j'ai un B. Là j'ai du S, là j'ai du S et là j'ai du S. Donc vous voyez, j'ai 3 S en scanner. Et ce scanner-là peut me permettre, vous voyez quand j'ai scanné, j'ai pu obtenir quand même plus de 400 000 unités. 400 000 unités, donc c'est quand même énorme, hein, les amis, c'est quand même énorme. Donc 400 000 par 400 000, on arrive vite, je vous garantis, on arrive vite à 1 million d'unités très rapidement. Et du coup... vu si le vaisseau coûte à peu près 2 millions, et je vous garantis, vous scannez quelques planètes comme ça, et puis vous avez remboursé le vaisseau que vous avez acheté. Tout simplement. Vraiment, c'est vraiment un astuce très très simple. Mais par contre, voilà, il vous faut vraiment votre multi-outil à fond les baleines, à fond les baleines. Il vous faut vraiment le plus possible de rayons, du moins de scanners pour pouvoir faire cette astuce. Voilà. Du coup, on va essayer de pouvoir, si je peux trouver bien sûr un exotique, hein, si je peux trouver un exotique, ça peut être pas mal. Parce que les exotiques, eh bien, ils ont, on va dire, ils se vendent plutôt bien normalement. Bon, après, si on trouve pas un exotique, c'est pas bien grave, hein. Si on trouve un moins un classe S, ça peut être pas mal. Et en plus, ce que c'est pas mal, c'est que vous pouvez aussi détruire le vaisseau, regagner la somme que vous avez dépensée et garder les systèmes de stockage que vous avez pour votre vaisseau. Donc là, moi, vous voyez, ça va m'intéresser pour augmenter le stockage de mon vaisseau pieuvre.
Voilà, donc ça va être intéressant. Cette astuce est intéressante dans tous les sens. Donc du coup, voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous reprendre, les amis. Je vous laisse là. Je vous reprends une fois qu'il y a un vaisseau qui est intéressant, qui a pop. Et je vous dis à de suite. À de suite. Du coup, les amis, il n'y a pas de vaisseau qui apparaît, donc je ne sais pas pourquoi. Des fois, ça peut arriver, des fois que des vaisseaux n'apparaissent pas sur la station spatiale. Là, il y en a 2-3 qui ont apparu. C'est tous du C, du A, du B. Mais vraiment pas folichon. Donc, du coup, on va être obligé d'aller dans une comptoir commercial. Donc, on va utiliser ça. Comme ça, on va en avoir un de suite. Il est où? Comme ça, on va y aller de suite. Hop. Comme ça, on va aller de suite pour trouver ce vaisseau. Bon, si on trouve un exotique, tant mieux. Mais si on trouve pas un exotique, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Le minimum, c'est qu'on trouve au moins un S. Parce que les S, eh bien, automatiquement, ils ont de la bonne marchandise. Ils ont des bonnes technologies. Et c'est pour ça que je vous recommande d'acheter un S. Voilà, vraiment d'acheter un S. C'est pour ça que je vous recommande d'acheter un S. Donc là, on va atterrir. Si le vaisseau veut bien atterrir, j'appuie sur le bouton, mais ça ne veut pas. Donc là, il s'amuse. Là, il se met à l'arrache. C'est rien. Voilà. Donc là, c'est bon. Ça y est, on a atterri. Donc là, on est arrivé sur le comptoir commercial. Alors, qu'est-ce que on a? Est-ce qu'il y a des vaisseaux qui vont apparaître encore ou pas? Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a du B. Là, on a un classe A en 39. Bon, là, par contre, ça coûte un peu plus cher, les amis. Hein, donc là, ça va être difficile de remonter la piste. Mais je vous conseille, tu vois, là, bon, là, tu vois, faut pas non plus exagérer. Hein, on peut gagner autant d'unités avec le scanner. Mais c'est pas fou. Là c'est beaucoup trop, hein, faut pas non plus exagérer. Le scanner, vous pouvez gagner vraiment beaucoup. Mais voilà, pour les petits vaisseaux comme ça, vous voyez, hein, pour les sortes de vaisseaux comme ça, qui coûtent 1 million et quelques, 1 million et quelques, c'est suffisant, vraiment ça suffisant. Par contre, ici, là, par contre, vous voyez, hein, 47 000 et quelques, c'est quand même, voilà, là c'est quand même, voilà, c'est quand même pas mal. Même beaucoup beaucoup. On peut même aller le voir si vous voulez, hein, le vaisseau. Mais là c'est vraiment beaucoup. Faire une offre, c'est voir ce que tu proposes. Voilà, donc là, ben là du coup automatiquement vous allez avoir vraiment quelque chose de super intéressant au niveau du stockage. Mais niveau prix, le scanner, vous voyez, vous gagnez beaucoup, hein, vraiment. Si vous avez bien optimisé votre scanner, vous gagnez énormément. Bon, moi, vous voyez, je gagne en environ dans les 400 000. Tout dépend la chose que je scanne. Je peux aller jusqu'à 500 000 unités. 500 000, hein, c'est énorme, hein. Chaque truc scanné, tout dépend de la chose. Plus elle est grosse et plus tu gagnes. Mais en tout cas, environ entre 4 et 500 000. Donc, ça peut aller très vite. Tu peux très, très bien monter très vite à plus d'un million. Mais là où c'est vraiment utile, bon là tu vois c'est 47 millions et quelques, donc là bon là c'est un peu trop quand même, faut pas non plus abuser, sinon le scanner serait complètement abusé. Mais si tu scannes des petits vaisseaux comme là, mettons c'est quoi ça, un petit, il n'y en a pas là, non il n'y en a pas qui ont apparu, il n'y en a pas, non, il n'y en a pas de A qui ont apparu, et là il y a un C. Là, il y a un C. Ben, mettons, regardez, ce petit, le petit, il coûte 935 000 unités. Et ben, voilà. En 2-3 animaux, vous avez récompensé la vente du vaisseau. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous avez plus de chances d'obtenir des bonnes marchandises sur les vaisseaux de classe S ou exotique. Bon, ben, exotique, vous avez plus de récompenses. Et puis, les vaisseaux, bien sûr, qui coûtent cher, comme on a vu à l'instant. Voilà. Ce genre de vaisseau. Vous avez beaucoup de trucs très intéressants. Mais là du coup je vois que il n'y a pas de vaisseau intéressant pour le moment. J'espère que ça va pop. Ça va pop, j'espère que ça va pop. Alors attends, c'est quoi ça? C'est quoi celui-là?
un C là. Hein, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, y a pas de S. C. Dis donc. Bon, mais les amis, je vais vous reprendre. Je vais vous reprendre de suite. Je mets ça et puis on se reprend après. Une fois que j'ai trouvé le vaisseau. Ah, attendez, c'est quoi celui-là? Je vous reprends de suite. Et re les amis, donc du coup, eh bien, il n'y a pas de vaisseau. Généralement, ça fait un petit bon moment que j'attends maintenant. Il n'y a pas de vaisseau qui veulent apparaître. Qui veulent pop en classe. En classe S. Donc du coup, je pense qu'on va plutôt prendre celui-là à 4 millions et quelques, les amis. On va le prendre. On va être obligé. Donc du coup, voilà. Là c'est juste pour la vidéo parce que mais, du coup il n'y a pas de donc là vous voyez c'est un version C version C ça m'intrigue parce que le vaisseau est en version C et on a quand même en termes de bon là, c'est sûr mon vaisseau il coûte plus cher mais vous voyez 4 millions et quelques hein, vous voyez allez vous faites allez une quinzaine de scans sur vos planètes, surtout que maintenant les planètes sont très intéressantes en termes d'exploration. Hein, en termes d'exploration, les planètes sont très intéressantes. Et du coup, vous allez scanner automatiquement, vous allez scanner. Et si votre scanner est vraiment bien fourni, vous avez les bons scanners, vous avez tous les scanners en S, et bien vous pouvez faire quelque chose de très très beau. Et je vous garantis, vous allez gagner mais un pognon, vraiment, vraiment un pognon, mais c'est juste impressionnant, vous allez gagner plus d'un million à chaque fois, je vous garantis, c'est juste, voilà, je vous dis, entre 4 et 500 millions d'unités environ, hein, environ 500 millions d'unités, donc du coup, vous pouvez, vous arrivez vite à ce prix-là, hein, à ce prix-là, vous arrivez très très vite à plus d'un million, donc du coup, celui-là, on va l'acheter, voilà, on va l'acheter. Acheter, tac, voilà, on achète, et là, on prend le vaisseau, et le vaisseau, on le prend, et là, qu'est-ce qu'on fait les amis, qu'est-ce qu'on fait, on va aller le démonter, on va aller le démonter de suite. Vous voyez, il y a pas mal d'emplacements. Hein. On a pas mal de petits emplacements. C'est plutôt basique. Hein. C'est bon. Après, c'est du C. J'aurais voulu un S, mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas, c'est pour cette astuce. Mais je vous dis, je vous partage cette astuce parce qu'elle est, très bonne. Hein. Sinon, je vous aurais pas partagé cette astuce. Quand moi, je fais depuis le début, les amis. Hein. Je fais régulièrement cette astuce. Quand je joue des fois, bon, en live c'est vrai que je le fais pas des fois, je le fais pas, mais quand des fois je veux marchander des vaisseaux et tout ça, et pour savoir, l'argent que j'ai encore ici, c'est l'argent de Monsieur Dust hein, qui m'avait donné, donc du coup, encore merci à Monsieur Dust, j'avais pas dépensé cet argent, j'ai vraiment essayé de pas dépenser, donc là vous voyez, j'ai dépensé un peu, mais je vais le regagner. Parce qu'automatiquement, je vais scanner, je vais rescanner les planètes, je vais rescanner les animaux, je vais rescanner les plantes, la faune, la fleur, tout ça. Et automatiquement, eh bien, je vais regagner ce que j'ai perdu là. Je vais le regagner, en tout cas. Je vais le regagner en faisant de l'achat-revente. Hein. C'est vraiment de l'achat-revente, les amis. Hein. Récamer des pièces. Donc là, 3 millions et quelques, les amis. Vous avez acheté 4 millions et quelques. Vous perdez 1 million. Parce que vous avez acheté 4, donc vous perdez 1 million. Voilà, voilà, voilà. Et en plus, c'est que vous pouvez très bien avoir voyez, hein, des trucs comme ça. Mais vous voyez, là, par contre, vous n'en avez pas obtenu. Vous n'en avez pas obtenu de technologie. Là, les technologies, vous savez, les technologies. Alors, attendez, je sais pas si je peux vous montrer. C'est où? C'est où, c'est où? Donc la vidéo est assez longue, hein, mais c'est où, c'est où, c'est lequel? Voilà, c'est celui-là. Augmentation de stockage. Donc vous n'avez pas obtenu ce truc-là. C'est sur les. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus sur le système
des vaisseaux S. C'est pour ça que je vous ai dit, ou exotiques, ou les gros vaisseaux qui coûtent très cher. Les gros vaisseaux qui coûtent très cher. Mais c'est tout à fait possible, hein, que si vous êtes quelqu'un qui farme beaucoup les planètes, qui scanne beaucoup, c'est tout à fait possible de pouvoir acheter aux reventes, et avec votre scanner, scanner les plantes, scanner tout, vous scannez vraiment toutes les planètes, et vraiment, vous pouvez vraiment devenir très riche avec ce système de scanner qui donne vraiment beaucoup d'unités. Donc du coup, voilà. Et là, du coup, ben, vous vendez ça, vous vendez tout ça. Vous vendez tous ces trucs-là, hein, tous ces trucs-là, vous les vendez, hein, vous vendez tout ça. Mais en fait, vu que tu vends, bon ça je vais le vendre, vu que tu vends, tu vas pouvoir re-obtenir en fait ce que tu as acheté en fait. Donc en fait, tu n'as rien perdu en fait. Tu n'as rien perdu, donc c'est le but de la vidéo, hein, c'est ce que je vous disais, c'est que tu ne perds rien du tout en fait. Tu ne perds rien du tout, à part bien sûr si tu arrives à obtenir augmentation de stockage. Bon, ça je te le conseille de le garder pour tes vaisseaux, pour augmenter le stockage. Du coup, alors attendez, ça on va le vendre. On va aller le vendre. Vendre. Alors ça, on va vendre. On va vendre. Il est où? C'est où? C'est où? Ça. Donc du coup, on va vendre ça. On va vendre ça. Ça. Et je suis revenu. Je suis revenu à 606 000 et quelques. Vous voyez, je suis redevenu à l'argent que j'avais de base. Parce que j'étais à 606 000. J'ai oublié de vous le dire. Mais j'étais à 606 000 et quelques. Vous pouvez me revenir à la moitié de la vidéo. J'étais à 606 000 et quelques. J'ai quasiment revenu à ce que j'avais gagné. C'est vraiment un truc de malade. Cette astuce. Du coup, là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Je vais couper la vidéo. Je vais vous reprendre encore. Et on va aller sur une planète pour scanner des trucs. Et vous allez voir que c'est vraiment efficace. A de suite. Et re les amis, donc du coup les amis, on va aller sur la planète, sur une planète, n'importe, une planète, n'importe, donc du coup ils m'ont donné le vaisseau vivant, pour scanner tout simplement avec votre multi-outil. Donc ça aussi j'ai oublié de le préciser les amis, sur votre multi-outil vous avez récompense d'analyse de la flore, et récompense, vous avez deux systèmes de récompense, la flore et la flune. Oui, après vous avez le rayon, le rayon de scan aussi, qui est très très important. Il faut prendre le plus possible que vous avez. Si vous achetez une technologie en S, vous regardez avec la technologie ce qui est la plus et ce qui est la moins, et ce qui est le moins, vous l'enlevez, hein, vous l'enlevez. Donc là vous pouvez voir le système que j'ai. Moi j'ai plus 9, plus 9 là, 274, 31, 8, 724, voilà. Là j'ai 8958, 32, 9, 9, plus 9, 205. Et là vous voyez, je l'ai montré juste à l'instant. Et du coup j'ai celui-là aussi qui est aussi plus 11. Et en termes de rechargement aussi, c'est intéressant celui-là. Augmente légèrement la fréquence de scanner. Voilà. Du coup, les amis, la vidéo est très complète, hein, j'espère que ça vous plaira. J'espère que la vidéo vous plaira. Donc du coup, on va prendre une planète qu'on n'a pas découverte. On n'a pas découverte. Avec celle-ci. Alors attendez, celle-ci on l'a découverte et celle-ci ou pas. Vous avez découvert ceci. Ok, j'ai découvert ceci. Donc attendez, on va aller sur celle-ci. On va aller sur celle-ci. Et vous allez voir que vraiment. Et j'espère qu'il y a des animaux sur celle-ci par contre, parce que j'ai pas envie d'y aller pour rien. Qu'il y a des animaux que je puisse vous montrer à quel point ce scanner est très très important. Et vous avez vu, comme je vous ai dit, revenir à l'entrée de la vidéo pour voir. Ah là non, ici il n'y aura pas d'animaux, les amis. Il n'y aura pas d'animaux. C'est une planète de lumière, il n'y aura pas d'animaux. Il n'y aura pas d'animaux. Il nous faut une planète comme ça. Il nous faut une planète comme ça, parce que sinon il n'y aura pas d'animaux. On va mettre ça ici. Bon, voilà, c'est ça là, ça ici et ça là. Donc du coup, comme je vous ai dit, hein, vraiment là c'est vraiment le scanner, je le répète,
vraiment le plus possible que vous avez en plus rayon, plus analyse de la faune, tout ça. Vraiment, n'hésitez pas à mettre le paquet dans vos scanners. Moi, le plus que j'ai pu gagner en termes d'unités sur mon scanner, c'est plus de 500 millions. 510 et quelques que j'ai fait sur ma console Xbox, mais j'arrive pas à reprendre les scanners sur ma. Je sais pas pourquoi. Mon scanner, pourtant j'ai quasiment le même. Il faudra que je regarde pour voir en profondeur ce que j'ai sur Xbox. Mais je fais environ 500 000 et quelques sur ma Xbox, et que là je fais 400 000 et quelques sur PS4. C'est bizarre parce que pourtant j'ai quasiment les mêmes scanners. Du coup, on arrive sur cette planète là. Hop, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, on est arrivé sur une planète de flotte. On est arrivé sur une planète de flotte. Ah mince. Il y a de l'eau, là. Attends, on arrive peut-être à la terre ferme là, peut-être. Là ici, ouais, on arrive. On va pouvoir avoir des animaux. On va se poser bien sûr ici. Hop, on se pose. On se pose. Tac, on se pose. Donc là, c'est une planète classée, du coup. Donc du coup, n'hésitez pas à scanner. Regardez, on va scanner déjà l'arbre. Voilà, on va scanner l'arbre. Vous voyez, 76 000 unités. Pour un arbre, là ici, admettons, vous scannez, ça c'est un minéraux, je crois, hein. C'est maintenant, voilà, c'est minéraux. Vous voyez, c'est marqué de toute façon dessus, donc là vous gagnez 200, donc ça c'est des petites choses. Hein. Mais tout ce qui est niveau arbre, tout ce qui est les arbres, hein, vous voyez, les arbres, de base les arbres, hein, on gagne combien? 76 000. Donc regardez, ça c'est des grosses créatures, donc là on va gagner plus, on va gagner 400 millions et quelques, hein, 400 000. Regardez, 440 000 l'unité. Bon, on peut pas tout scanner parce qu'on les a scannés, hein, mais bon, là il y en a d'autres, c'est d'autres races. 440 aussi, vous voyez, 440. Là-bas il y en a d'autres aussi. Là on a de la chance, les amis, pour voir la vidéo, on a de la chance, on est tombé sur une planète avec des gros animaux. Donc automatiquement, mais on va gagner beaucoup. Hein. On a eu 2 fois 76 000, on a eu 3 fois 440 000 unités. Donc calculez, vous garantis, je vous arrivez plus à plus d'un million. À plus d'un million. Hein. Vous voyez, on est arrivé à 2 millions. Parce qu'on est à 606 000, on est arrivé à 608 000 unités. Donc là, on s'est fait 2 millions. Juste en scannant 2-3 trucs comme ça sur la planète. Donc si vous êtes quelqu'un qui joue beaucoup à No Man's Sky et que vous pouvez scanner, je vous garantis vous gagnez vraiment très très beaucoup. Et vous voyez, si vous achetez, admettons, un vaisseau et vous pouvez vite le rentabiliser comme ça très rapidement en scannant avec votre multi-outil. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. La vidéo était très très longue, mais c'était quand même une astuce comme ça à prendre que je voulais vraiment vous partager. N'hésitez pas à commenter, liker tout ça, à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, bisous, bisous, à la prochaine. Ciao ciao.